Bien ça, hein? Donc on va pouvoir commencer la session du jour. Alors la thématique aujourd'hui pour cette session du vrai Ségur de la santé, c'est la qualité de vie au travail et sport et santé. Voilà, donc c'est assez, assez vaste. Je ne sais pas qui voulait commencer. Alors peut-être qu'on peut commencer par les présentations pour un petit peu mieux comprendre vos propos. Qui veut commencer à se présenter? Karine Palardi, allez, Karine Palardi, a hoché la tête. Allez, c'est parti. J'attendais qu'on me donne la parole. Je ne voulais, voulais pas décider. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais bon, voilà, bonjour à tous et toutes, bonsoir. Alors, rapidement, donc moi, je suis médecin du travail en Vendée. Je travaille actuellement en service inter-entreprise. Alors, je dis actuellement parce que j'ai fait un peu tous les environnements de travail. J'exerce depuis 2010 et bon, j'ai eu un parcours un peu atypique. Hein. J'ai fait une petite sortie de route entre 2017 et 2020 parce que j'ai failli quitter la médecine du travail pour changer complètement de voie professionnelle. Rester dans le soin, mais dans un exercice différent. Donc voilà, j'ai fait des formations complémentaires et puis bon, la vie a fait que je suis en médecine du travail. Donc je ne suis pas médecin de santé au travail dans le système hospitalier, mais je l'ai été. Et je l'ai été en 2012-2013. Je ne suis pas restée très très longtemps parce que ça a été un grand moment un peu difficile, c'est-à-dire que je me suis confrontée au sentiment un peu de solitude et d'inutilité dans le sens où j'avais beaucoup de gens en souffrance psychologique et je ne savais absolument pas quoi faire. Et dans le cadre de nos études, on n'était pas forcément armés pour ça. Je ne savais pas forcément bien écouter, je cherchais des solutions et je n'en trouvais pas. Donc ça, ma crise existentielle professionnelle a commencé à ce moment-là et j'ai mis du temps avant d'avoir le sentiment quand même de pouvoir entendre ce que les gens avaient à dire. Mais oui, grand moment de désarroi. Donc l'hôpital, je l'ai connu en tant que médecin du travail. Vous étiez gênée de ne pas avoir de solution en fait, c'est ça, vous pouviez les écouter, mais vous ne saviez pas quoi faire en fait. Exactement, alors on est... Tout à fait. Alors moi, j'ai exercé dans un hôpital local, hein, pas un CHU, hein, ni départemental d'ailleurs. Et en fait, j'étais avec un collègue qui était plus de la retraite que du début de sa carrière. Et en fait, oui, alors lui était plutôt philosophe, c'est-à-dire qu'il partait du principe que l'écoute était déjà intéressante, importante. Mais moi, j'étais au début et puis j'avais appris à chercher des solutions ergonomiques, d'amélioration des conditions de travail, des choses actives. Et là, je ne pouvais pas comprendre et entendre qu'il fallait qu'écouter, c'était déjà beaucoup. Ça ne suffisait pas. Donc oui, mais par contre, effectivement, l'écoute, ça fait beaucoup. Mais ouais. Bon, voilà, ça a été un moment de grande solitude. OK. Voilà. Donc là, voilà, je suis revenue. Donc j'ai fait un peu, voilà, petite sortie de route. Je suis revenue vers la médecine du travail via la fonction publique. J'ai été médecin des enseignants pendant 3 ans. Et puis là, je suis revenue en service inter-entreprise. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors du coup maintenant, Fanny peut-être, Fanny Petitpré, est-ce que peut-être on peut savoir un petit peu pour vous Alors moi je suis aide-soignante depuis 12 ans sur l'hôpital de Laval en Mayenne, depuis quasiment 10 ans de nuit, et depuis un an et demi, je siège au CHSCT de mon hôpital. D'accord. Dans quel service, du coup, j'ai pas... En réa, pardon. En réa. Aide-soignante en réanimation de nuit depuis 10 ans, d'accord. Alors, en réa depuis 7 ans, mais de nuit depuis 10 ans. OK. Oui, donc par rapport aux conditions, justement, on va parler de qualité de vie au travail. Notamment, il y a eu beaucoup de sessions sur la pénibilité du travail de nuit. Du coup, je pense qu'on pourra en parler par la suite. Mais en fait, Fanny, elle est là aussi parce qu'elle fait partie des commissions, je crois, Fanny, du CHSCT de son hôpital. Ouais. Ok. Merci Audrey pour cette précision, effectivement. De rien. Et docteur Alain Ferrero. Oui, alors vous me donnez le titre de docteur, c'est sympa, mais comme les autres, quoi. Enfin, vous certains. Un autre accidenté de la vie professionnelle. Hein. Moi, j'ai un parcours assez classique, hein, interna clinica. Je suis médecin spécialiste d'organes à l'origine et j'ai fait un burn-out, hein, ce qu'on peut appeler un burn-out. Donc, j'ai été plaqué. J'ai vu passer un avis de concours dans la presse
médicale à l'époque qui était « Devenez médecin d'une grande cause, deux points, la santé publique ». Et je me suis fait avoir, j'y ai cru bêtement. Et donc, la cause ne fut pas si grande. Alors, j'ai passé le concours, je suis parti à Rennes, à l'École nationale de santé publique, ce qui m'arrangeait bien alors que j'étais dans une période de crise de milieu de vie assez tonitruante. Je vous dis tout, hein. Et ensuite, je me suis retrouvé donc médecin inspecteur de santé publique. Je me suis dit, écoute, si ça te plaît, tu continueras. Ça te plaît pas, tu peux toujours te réinstaller. Je me suis jamais réinstallé. J'ai eu ensuite un parcours en DAS et DRAS, hein, les anciens systèmes des services déconcentrés de l'État. Alors quand j'étais en DAS et en DRAS, j'étais ce qu'on appelle concours ARH, Agence Régionale de l'Hospitalisation. C'est-à-dire que je passais la majeure partie de mon temps à travailler pour l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, donc pour le système hospitalier, hein, l'analyse des projets d'établissement, la rédaction des rapports et l'évaluation de la nécessité de nouvelles activités de soins ou de leur renouvellement, des contrôles aussi, hein, soit des visites de conformité, soit des inspections, en fait assez peu les inspections pour en discuter, parce que ça fait vraiment écho avec l'affaire Orpea, etc. Hein, j'ai dans tout et pour tout dans ma vie inspecté une maison de retraite, hein, parce qu'on était tellement pris dans d'autres contraintes que... Donc DAS, DRAS, ARH, ensuite, donc ça a commencé au début des années 2000, fin des années 90, et ensuite les agences régionales de santé ont été créées à partir de 8 anciens organismes que je ne vais pas citer. Donc je me suis retrouvé en ARS, et là, alors on m'a confié, je ne sais pas comment ils ont perçu ça, parce que Dieu sait que tout n'a pas été bien fait, mais ça m'allait plutôt bien. On m'a confié le poste des maladies chroniques, ce qui était censé être une transversalité. Il y avait 7 domaines transversaux à l'agence, hein, avec des grandes directions verticales, offre de soins hospitalières, offre de premier recours, médico-social, prévention, promotion de la santé, stratégie. Et on était 7 à devoir traverser comme ça les directions verticales, qui ont servi beaucoup à recaser d'anciens directeurs avec pas mal d'erreurs de casting, à mon sens, et en premier lieu pour les directeurs d'ARS eux-mêmes. Et donc, en fait, cette transversalité n'a jamais fonctionné parce qu'on s'est retrouvé face à des précarés de pouvoir et d'argent, comme d'habitude, à une maladie qui n'est pas, sans doute pas propre à ce pays, hein, à l'humain en général. Et donc, malheureusement, alors il y avait quand même quelque chose, les ARS étaient censés casser la baraque, hein, c'était en gros tout ce qui a été fait avant nous, c'était du pipeau, vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait on s'est très vite remis dans des fonctionnements très très verticaux, et sans guère de prospectivité, avec de la gestion de crise en permanence, bon, comme le temps actuel le démontre, hein, mais sans doute développera-t-on ça, donc je ne vais pas insister. Et en fin septembre 2015, dans ce champ des maladies chroniques, j'ai vu apparaître l'activité physique pour la santé, je ne dis pas tout de suite comment, et en particulier l'activité physique en tant que thérapeutique chez les personnes malades. Et là, ça m'a bluffé parce que d'abord, c'est un champ nouveau, ça arrive très rarement dans la vie d'un médecin, c'est un peu comme quand on vous fait un établissement de santé à neuf, c'est une fois dans la vie d'un médecin, l'établissement dans lequel vous travaillez. Et le rapport de l'INSERM de 2008, activité physique et contexte effet sur la santé, venait de sortir. Et là, je me suis rendu compte de la puissance du sujet et de l'impact potentiel et de la qualité de vie qu'on apportait, pas seulement de la qualité de vie. Après, on l'a appris petit à petit, hein, aussi l'efficacité en tant que thérapeutique, et y compris en termes de mortalité sur certaines maladies. Et donc, j'ai décidé de me consacrer qu'à ça, finalement, parce que le reste me décevait un peu. Je n'avais pas, lors du premier projet régional de santé à la rédaction duquel j'avais participé, réussi à faire passer les deux concepts importants, hein, qui après ont pris corps dans la loi de 2016, celui des coordinations territoriales d'appui, hein, qui existent maintenant sous ce nom-là, hein, et des communautés professionnelles territoriales de santé, qui m'avait été refusé tout simplement parce que les gens avaient trouvé ça, enfin même mes supérieurs hiérarchiques avaient trouvé ça sans doute pas assez connu, pas assez établi, et forcément, hein, quand on fait de l'innovation,
Et c'était censé, c'était, les ARS étaient censés rentrer dans ce champ. Et donc, je me suis intéressé à ce sujet, et depuis, bah, je ne dirais pas que je nage dans le bonheur, parce qu'il y a pas mal de difficultés, mais au moins, je peux m'occuper à 100% du temps de ce domaine, qui m'apporte énormément de satisfaction, bon, qui évidemment croise avec ma vie personnelle, il n'y a pas de hasard. Bon, après 2 ans de blocage Covid, là, on redémarre à nouveau. Bon, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des problèmes et des insatisfactions. Mais globalement, quand même, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me permets de vous couper, vous exercez où? À l'hôpital ou... Non, j'exerce pour l'État, donc je suis fonctionnaire d'État, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est le corps des médecins inspecteurs de santé publique, même si je n'utilise plus actuellement ce titre, hein, vu que maintenant je suis médecin conseiller jeunesse et sport, dans les nouveaux services qu'on appelle DRAGES, Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, qui ont succédé au 1er janvier 2021, après leur rattachement à l'éducation nationale, aux anciens services purement sport qui étaient les directions régionales et départementales jeunesse, DJSS, jeunesse, sport, cohésion sociale. Je travaille au niveau régional. Ils changent toujours tous les acronymes, il faut arriver à s'y retrouver. Oui, Provence-Alpes-Côte d'Azur, je précise. Et donc, c'est le ministère des Sports ou de la Santé? Sport, alors, ministère des Sports, mais des ministères délégués désormais, depuis le 1er janvier 2021, rattachés à l'éducation nationale, ce qui n'est pas sans nous poser d'énormes problèmes. Alors là, vraiment, d'énormes problèmes. OK. Merci pour ces présentations. Du coup, par rapport à la qualité de vie au travail, peut-être on peut revenir sur Karine qui s'était présentée tout à l'heure pour entrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport à ce que vous nous évoquiez, par rapport aux difficultés que vous aviez pu rencontrer par rapport à vos collègues en burn-out, enfin les patients en burn-out que vous voyez. Alors, la qualité de vie au travail, en ce moment, je dirais qu'il faudrait déjà qu'il y ait une vie au travail dans le sens où il ne faut pas être en survie au travail. Et je dirais que, voilà, en ce moment, la notion de qualité de vie au travail, pour l'instant, je la remets un petit peu en question parce qu'il y a beaucoup d'environnements de travail. Alors, comme je vous dis, hein, ce n'est pas uniquement l'hôpital, où les gens sont en survie. Donc, c'est difficile de développer une qualité de vie quand on est en mode survie. Donc là, on est sur de l'étayage émotionnel, on est sur comment amener les personnes à développer leurs ressources, à remettre de la communication et de la cohésion dans des collectifs qui se délitent et qui s'affrontent. Donc, en ce moment, c'est très, très, très compliqué. Alors, à l'époque, pour revenir un petit peu au moment où j'étais à l'hôpital, la qualité de vie au travail, ce n'était pas une notion qui était encore très développée. On était sur les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ça a été la notion. Alors, il fallait intégrer l'évaluation des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, c'est une notion qui s'est vraiment beaucoup développée dans les années 2000. Et il fallait, voilà, repérer les situations à risque et les intégrer dans le document unique et faire des propositions d'action pour que la situation s'améliore en prévention primaire, enfin en prévention tertiaire, prévention tertiaire qui n'en est pas une, hein, qui est c'est de l'intervention secondaire, et puis après primaire quand on pouvait le faire. Les risques psychosociaux, c'était une notion, alors on a les indicateurs, on a les familles de risque, hein, depuis le rapport GOLAC de 2011, on sait à peu près où les trouver, de toute façon on n'a pas besoin de les chercher beaucoup, en général ils viennent à nous, et donc moi j'ai été confrontée en milieu hospitalier à une vague en fait, hein, et c'est ça qui était un petit peu compliqué, c'est qu'on était... une vague ou des incendies qui montaient un petit peu partout, et on avait encore un peu de difficulté à les analyser de manière globale et en faisant le lien avec les organisations. On était d'abord on était beaucoup dans l'accompagnement individuel, mais il y avait encore une difficulté à faire entendre aux yeux de la direction, et malgré effectivement les CHSCT à l'époque où on abordait le sujet, mais on était beaucoup dans le constat, en disant ça ne va pas. Mais de là à aller en... Alors déjà, la prise de conscience que ça ne va pas, qui est une forme de diagnostic situationnel psychosocial commun, ça c'était compliqué.
Nous, on était un petit peu, comment dire, les oiseaux de mauvais augure. Hein, on nous disait bien rapidement qu'on exagérait ou que, voilà, comme on recevait beaucoup de gens en souffrance, ben forcément, à la fin, on avait une vision biaisée. Et ça, je l'ai entendu encore il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'est « Ah, oh, mais vous avez une vision biaisée, forcément, vous voyez que les gens qui font mal. » Bon. Enfin, en tout cas, les gens qui viennent vous voir ne vont pas bien. Et à l'hôpital, c'était un petit peu ça. On avait beaucoup on avait des surveillances périodiques, mais on avait aussi beaucoup de visites à la demande. Donc déjà, la prise de conscience, le diagnostic situationnel. Il y avait une forme aussi de, si on dit que ça ne va pas, c'est forcément que déjà l'image du service ou des services va en prendre un coup. Ça veut dire que c'est peut-être la responsabilité des personnes. Donc on allait trouver la responsabilité individuelle, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que souvent ça se terminait comme ça, on disait bah, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, et on avait vraiment du mal à s'élever, mais c'est normal, hein, parce que dans des situations de tension, on en vient à avoir le regard un petit peu verrouillé, on a du mal à s'élever pour aller dans ce diagnostic global. Alors, dans ces cas-là, il faut faire intervenir un tiers extérieur, souvent ça dépassionne un peu le débat, et quand on fait intervenir la NACT ou la RACT, c'est toujours un petit peu plus... Qu'est-ce que c'est ça La NACT, c'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. C'est D'accord. une agence bon, gouvernementale, hein, transministérielle. Alors, est-ce qu'elle dépend, je ne crois pas qu'elle dépende du ministère du Travail, mais en tout cas, enfin, c'est une agence nationale avec des plateformes, enfin des agences régionales qui interviennent. Alors, elles interviennent dans tous les milieux professionnels, hein, que ce soit du privé ou du public, et leur enjeu, enfin leur mission première, c'est vraiment d'accompagner les structures professionnelles, quelle que soit leur organisation, leur taille. Alors des fois, ils ont des plans d'action, hein, bien évidemment, ils vont plus axer vers justement l'hôpital, vers les TPE-PME, etc. Et donc, ils accompagnent l'ensemble des acteurs de la prévention pour développer des outils, pour aider à l'analyse et puis après à la mise en œuvre de plans d'action pour l'objectif d'améliorer les conditions globales d'activité. Et donc souvent, il faut faire... Voilà, moi je dis, quand vraiment le sujet est trop, comment dire, trop sensible, on fait venir une structure extérieure qui va vraiment prendre... Alors, qui ne va pas tout faire, hein, bien évidemment, mais qui déjà va montrer qu'il y a des possibilités de solution. Parce que souvent, ce qui bloque aussi, c'est « Ouais, mais on peut constater, on peut faire un diagnostic, mais après, on en fera quoi ?» Et des fois, on ne sait pas faire. Hein, parce que des fois, c'est tellement complexe. Nous, même en santé au travail, je trouve qu'on n'est pas forcément bien formé parce qu'on voit l'ergonomie, on la voit des fois de manière très, très limitée. Alors, il faut faire des formations complémentaires. Peut-être que je ne les ai pas faites. Mais des fois, on voit les choses, on manque un peu de créativité et on manque un peu d'outils pour pouvoir vraiment faire des propositions globales et puis montrer que ça marche. Et puis montrer parce que, oui, quelles peuvent être justement les possibilités, justement, qu'est-ce que vous pouvez proposer au niveau de la santé au travail? Oui. Bah, ça dépend du périmètre du diagnostic, enfin, ça dépend au niveau du diagnostic psychosocial, quel est le périmètre d'action nécessaire. Mais je sais que les gens viennent vous voir spontanément, c'est ça, ou c'est vous qui... Alors, soit en fait, alors en règle générale, normalement la santé au travail, donc on a deux axes, hein, on a l'intervention en milieu de travail, donc les actions en milieu de travail, et après les consultations. Les consultations, il y a des consultations réglementaires obligatoires pour l'employeur, embauche périodique, avec une périodicité qui est en fonction des risques professionnels. Et puis, il y a les visites à la demande, les visites non obligatoires, mais qui sont ouvertes soit parce que les salariés ou les agents les sollicitent, soit parce que un employeur dit « on aimerait bien que vous voyez telle ou telle personne parce qu'on a eu un doute sur son aptitude ou sa capacité à continuer à travailler sur le plan médical ». Et bien évidemment, on est soumis au secret médical et on dit juste « apte » et « inapte ». Après, dans la fonction publique, c'est différent, hein. L'aptitude, c'est pas tout à fait, on fonctionne différemment. Mais l'enjeu, c'est de, enfin, l'objectif, c'est toujours de dire est-ce que médicalement, il y a une difficulté qui ferait que la personne se mettrait en danger en fait en réalisant son activité. C'est pas de la sélection, attention, des fois, c'est bien de le préciser, hein, parfois, qu'on fait pas de la sélection, parce qu'en ce moment, c'est un peu ce qu'on nous demande. On veut des garanties, on veut être sûr que la personne, si elle va à son poste, elle aura pas d'accident.
Ah, je suis, ouais, non, je ne sais pas faire ça. Ça, je ne sais pas faire. Mais ça, c'est, le juridique, c'est la pression juridique qui pèse sur les employeurs, elle est énorme. Et puis, elle retombe sur nous, donc ça, c'est bien, c'est habituel. Donc voilà, on nous sollicite on peut nous solliciter directement. Ouais. Après, nous, ce qu'on fait, notre rôle, c'est de dire, c'est de faire une première analyse. Alors, quand une personne nous alerte sur des conditions de travail, on est censé aller voir sur place, observer les conditions de travail, discuter avec l'employeur, et puis essayer au moins de se mettre d'accord sur est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Et si on voit que ça nous dépasse un petit peu, qu'il faut aller un peu plus loin, qu'il faut vraiment une analyse ergonomique, alors quand je parle d'ergonomie, c'est global, hein, c'est aussi les organisations, c'est aussi les flux, c'est tout ça, et bien là, on peut faire intervenir des pôles d'expertise, donc effectivement l'ANACT, pourquoi pas la CARSAT, et puis le CNAM, ils ont aussi des pôles développement, des choses comme ça. Donc on sait s'entourer de personnel qui peuvent, enfin de personnes et de structures qui peuvent vraiment nous analyser tout ça. Et c'est quoi les difficultés les plus grandes que vous rencontrez là, actuellement dans l'exercice de votre métier ? Alors, les difficultés qu'on rencontre, bah, c'est le sous-effectif, mais ça, voilà, je pense que dans tous les secteurs de... Alors, on n'est pas totalement dans le soin, mais on est dans la prévention et la promotion de la santé. Il y a le sous-effectif médical, bien évidemment, la charge de travail. La difficulté, en parlant de... Souvent, on dit qualité de vie au travail, mais moi, je parle plutôt de qualité de vie et du travail et des conditions de travail, parce qu'on voit qu'on... ce qui se passe dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, bah, tout ça c'est très très lié. Et l'accès aux soins, on a beaucoup de difficultés parce que bah, c'est un petit peu le combat du collectif, c'est de dire il faut que l'accès aux soins soit possible parce que on doit maintenir les gens au poste, voilà, à des postes de travail. On doit faire de la prévention, de la désinsertion professionnelle. On est de plus en plus dans l'accompagnement des parcours professionnels. Et il faut qu'on puisse, on a maintenant une visite de mi-carrière, donc c'est presque du RH, hein, c'est impressionnant d'ailleurs, parce que cette visite de mi-carrière qu'on nous demande, c'est en gros, on doit repérer les personnes qui, du fait de leur état de santé, pourraient, à moyen ou long terme, à un moment, être en situation de désinsertion. Donc si on le sent, eh ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en termes d'évolution professionnelle à terme et pour anticiper la désinsertion. Sauf qu'en ce moment, on a des tas de situations de limite des insertions professionnelles parce que l'accès aux soins ne se fait pas et que les personnes ne peuvent pas se soigner. Et on a, notamment au niveau musculo-squelettique, des situations d'inaptitude que l'on pose parce qu'on sait que le recours aux soins, eh ben, il tarde et que les personnes arrivent en fin de droit au niveau des arrêts. Donc ça, c'est la deuxième difficulté qu'on trouve. Et puis la troisième, je dirais, c'est la pression juridique. On a beaucoup d'attentes, on a des réglementations de plus en plus lourdes avec de moins en moins de moyens pour y répondre en termes de notion de visite. Et puis en ce moment, après, ça dépend des secteurs. Hein. Je suis sur un secteur en particulier, je n'ai pas forcément les retours d'autres collègues dans d'autres secteurs géographiques, mais on a une désorganisation des... Dans les entreprises, beaucoup de mouvements de personnes, des gens qui partent, enfin, des démissions et tout ça. Et donc, on a un recours après au système de visite d'intérim, etc., qui sont de plus en plus importants. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de visites médicales. Et comme on ne peut pas y faire face, bah, beaucoup de pression parce que bah, ouais, si on n'a pas la visite, les employeurs risquent un engagement au niveau civil et au niveau pénal. Et donc, bah, chacun se relance un peu la balle de la pression. Je pense que c'est déjà... Ouais, merci pour ce constat. Et du coup, ouais, c'est vrai que le temps, il file. Hein. Christelle, je suis désolée, oui, je t'ai piqué la parole. Pour évoquer, comme Audrey disait, que vous étiez impliquée dans le CHSCT. Alors, vous allez nous expliquer, parce que tout le monde n'est pas trop au fait de ce que ça peut être, le CHSCT. Oui, Fanny alors, est là. Je suis là. C'est les conditions d'hygiène. Sécurité. Alors, même moi, je ne me rappelle plus. Conditions d'hygiène, de sécurité. Comité hygiène, sécurité, conditions de travail. Voilà, merci. J'en fais partie, mais je ne me rappelle plus. Monsieur Lancelot. Donc, en fait, on veille, en fait, nous, donc, en fait, c'est des personnes qui font partie d'un syndicat, qui sont élues et qui siègent tous les trimestres avec... un président du CHSCT, donc soit généralement, alors moi je travaille dans un hôpital public, je ne sais pas comment ça se passe dans le privé, mais je suppose que c'est, enfin non, parce que le privé maintenant c'est le CSE, il n'y a plus de CHSCT.
Donc, on a une présidente, souvent c'est le directeur d'établissement, mais parfois il peut déléguer à la DRH. Et alors après, vous avez les directeurs, directeur des travaux, directeur. Enfin, vous avez généralement, normalement, quand vous en avez un dans votre établissement, le médecin du travail, la psychologue, vous avez la CARSAT qui peut être là. La CARSAT, qu'est-ce que c'est ça? Karina va mieux l'expliquer. Ah, juste, pas forcément les lettres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, à quoi ça sert? Alors, je ne me souviens plus de l'acronyme, là. C'est pas grave. C'est la caisse d'assurance régionale maladie. Enfin, c'est la CPAM, mais version régionale, en fait. Version régionale, d'accord, ok. Voilà, et qui s'occupe de tout, de la prévention des risques professionnels. Voilà, c'est ça. Et qui s'occupe après de la réparation en cas d'accident de travail, maladie professionnelle, etc. Okay. Mais oui, j'ai un trou sur l'acronyme, moi aussi. Mais qui met en place aussi les DUERP, en fait. D'accord. Et alors, les DUERP, peut-être que j'explique. Oui, juste pas forcément les lettres, mais c'est juste le document unique d'évaluation des risques professionnels, en fait, qui est obligatoire, en l'occurrence, dans la fonction publique. Ok. Les documents. En fait, Fanny, en des mots simples, si tu veux nous expliquer en quoi consiste le CHSCT. En fait, alors nous, en fait, on a plusieurs casquettes au CHSCT, mais notre rôle principal, c'est quand même de s'assurer que les conditions de sécurité soit respecté en fait pour l'ensemble des agents qui travaillent sur les CH ou enfin sur les CH, les CH, les établissements en fait. Donc c'est s'assurer qu'ils aient des trames de planning qui soient correctes, qu'ils aient des temps de repos qui soient respectés, qu'elles soient en nombre dans les, enfin que les agents soient en nombre dans les services. On a moult mission en fait à accomplir, sauf que en fait on peut pas. Donc, vers vous en fait avec des questionnements quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, par exemple, vous demandez. Les agents se rapprochent de nous, oui, quand ils ont des problématiques en fait, mais on est aussi normalement consulté quand il y a de nouveaux projets qui doivent s'établir sur l'établissement. Qui actuellement, en l'occurrence pour mon établissement, n'est pas le cas. Nous, là, moi, j'étais en CHSCT ce matin, on n'a plus de psychologue au travail, on n'a pas de médecin du travail, c'est catastrophique. On a, là, le CHSCT, pour ma part, on a lancé une expertise, en fait, sur les risques psychosociaux, sur l'ensemble de notre hôpital et de ses annexes. On a reçu une assignation au tribunal de la direction de l'hôpital, parce que, en fait, il révoque... notre demande d'expertise. Ils estiment que non, il n'y a pas de problème de bien-être au travail en fait sans CH. Ouais. Ok. Voilà. Et là, moi, j'ai sous les yeux le rapport d'activité de la psychologue de mon établissement de 2020, parce que j'ai pas celui de 2021. Pour vous citer juste quelques chiffres sur les consultations qu'elle a pu avoir. 30% de son temps de travail, ça a été des consultations pour l'épuisement, 20% pour des problèmes de relation avec la hiérarchie et 22% pour des problèmes de relation au travail. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Bonsoir, hein, désolé, je vous ai écouté, mais je... Alors, donc, là, tu nous dis que c'est les motifs... de consultation de la psychologue, c'est ça? On peut quand même, Fanny, imaginer que ça va être les mêmes motifs à peu près partout en France, grosso modo. Oui, je pense que... Là-dessus, on peut, voilà. Je pense donc, que ça, les c'est... chiffres, oui. Donc ça, c'est une photographie un peu des difficultés. Bon, ces difficultés-là, de toute façon, tu es d'accord, Fanny, on a plein d'indicateurs. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai un appel. On a plein d'indicateurs. Alors, ma question, c'est... Fanny, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour améliorer ça dans une optique de amélioration de la situation? Qu'est-ce que ça veut dire, Fanny? Comment alors, on peut faire? Est-ce qu'il ne faut pas mettre... Genre, alors, je t'écoute et puis je réfléchis en même temps. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des indicateurs mensuels? Une sorte de... Tu sais, dans les restaurants... tu vas comprendre ce que je veux dire. L'autre jour, j'étais à Saladenko avec mes enfants et puis
à la fin, tu dois mettre, t'appuies sur le visage vert, content, jaune, moyen, rouge, t'es pas content. Est-ce qu'on doit pas monitorer, mesurer le bien-être des soignants quasiment en direct, régulièrement? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je l'entends, mais pour ça, il faut qu'on puisse avoir les professionnels qui peuvent être à la disposition des professionnels, des agents. Mais Fanny, en l'occurrence, Fanny, je te rappelle qu'on a les pleins pouvoirs. Donc en fait, oui, non, mais moi j'aimerais bien. Tu dis, non, mais moi je te le dis, on les a. Donc en fait, tu dis de quoi on a besoin. Ça veut dire qu'il faut plus... Donne-moi des exemples. Il faut plus de psychologues. Il faut plus de psychologues, mais il faut plus aussi de médecins du travail, en fait. D'accord. On n'arrive pas. Alors nous, je vais te dire ce que ma DRH m'a dit ce matin. J'arrive pas à recruter. Mais ils arrivent à recruter nulle part. Chez les AS, chez les infirmiers, chez les manutes, chez... Non mais attends Fanny, d'accord. Donc, une des solutions, c'est d'avoir dans les établissements de santé plus de médecins du travail qu'aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? D'accord. Ensuite, il faut plus de psychologues qu'aujourd'hui. On est bien donc ça, c'est les ressources humaines. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a quand même deux autres choses. Il faut que dans la formation des directeurs, ce soit une obsession que la qualité de vie au travail soit monitorée, mesurée. Et si on est bon dans la traduction de cette audition-là, à mon avis, on peut faire très mal. Parce que Macron, l'Élysée m'avait dit que Macron était très à cheval là-dessus. Bon, c'est peut-être pas bref, animé. Tu vois, je te reprends juste, parce que j'ai les accords du Ségur de la santé, mise en œuvre des mesures de la sécurisation des organisations et des environnements de travail. Il parle du mieux-être. J'ai dû préparer mon truc. Mais de toute façon, même s'ils en parlaient, forcément. Marc, objectif, favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais à aucun moment, là, clairement, dans leur Ségur, ou même il y a quelques années et aujourd'hui, ils sont en capacité d'entendre que les soignants vont mal parce que d'une, ils sont tout le temps en train de nous dire c'est la crise, c'est le Covid. D'accord. C'est leur mot d'ordre aujourd'hui. Tu as l'impression qu'ils ont été formés avec ce mot-là, c'est le Covid en fait. Non mais Fanny, nous, notre rôle, c'est justement de casser ça. Donc, tu vois, il faut qu'on ait des messages forts à porter. Donc, moi, je pense qu'il y a psychologue et médecin du travail, tu l'as bien dit. Voilà, donc ça, c'est une proposition. Plus de psychologues et de médecins du travail. Deuxième proposition, je pense, dans la gouvernance, je ne sais pas si vous en avez parlé de ça, mais dans la gouvernance, Fanny et Karine, si elle est là, dans la gouvernance, il faut que ce soit une obsession par les encadrants, les obsessions, et que du coup, la direction des soins transmette cette obsession-là sur les cadres de santé. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je me suis longtemps occupé dans mon établissement de la gestion des risques, et de la qualité, etc. Ça doit faire partie, le monitorage du bien-être des soignants doit être monitoré, en fait. Scopé, il faut qu'il y ait des scopes de bonheur. Non, mais des scopes d'humeur. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Et la question que je me pose, moi, je veux dire, on doit surveiller, on doit monitorer ça de près, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une visite annuelle, ça n'a aucun sens. Il faudrait aussi, Arnaud, je me permets, à un moment quand un agent va voir sa DSI, la médecine du travail, pour dire que je ne me sens plus bien dans mon service, je veux changer de service, qu'on arrête de les chinter, de pas leur donner la possibilité à un moment d'aller s'épanouir ailleurs. Ça aussi, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Tout à fait, mais tu vois, c'est parce que Fanny, à la fois les moyens ne sont pas là, à la fois c'est comme tu l'as dit la crise, donc en fait si tu veux on part du principe que comme c'est la catastrophe qui manque de monde partout, c'est pas un item prioritaire et en fait c'est à nous de rendre cela incontournable dans l'évaluation des soignants. Voilà moi ce que je pense. Et par contre il y a un truc, mais ça moi, je ne suis pas capable de savoir ça, mais ça, Fanny, tu sais peut-être, ou Karine, ou Aude, je vois qu'il y a du monde, ou Christelle, vous avez peut-être des avis là-dessus. À quel rythme on doit surveiller le mental des soignants? Tu vois,
Bah, c'est compliqué parce que suivre le rythme, après, c'est aussi, comme tu disais, être entendu par la hiérarchie. On a beau suivre le rythme, si même toutes les semaines, tu dis les gens vont mal, mais que là-haut, on te dit non, non, tout va bien, tu vois, après, c'est ça. Tu le fais, je veux dire, entre guillemets, quand tu fais ton entretien annuel avec ta cadre. Bon, alors, si ta cadre, elle est un peu bienveillante, je ne dis pas qu'ils ne sont pas, hein, c'est pas mes propos. Mais elle va te demander comment tu te sens dans ton service, machin, tout ça. Mais même si tu lui dis que ça ne va pas, ça ne bouge pas, quoi. Moi, je te cite un exemple. Il y a 15 jours, il y a une ASH qui a voulu jeter du 6e étage. En se disant, il y a la presse en bas, ben, je vais faire le buzz. Non, mais Fanny, qu'on ne se trompe pas de... comment t'expliquer ça ? On pourrait faire 5 heures de Zoom pour parler de tout ce qui ne va pas. Il faut qu'on parte du principe, pour être constructif, qu'on sait que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas, que les réponses à amener. Donc, nous, on est là pour amener des meilleures réponses. Je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il faut le faire tous les 3 mois. Il faut le faire quand l'agent a besoin de lui, ressent le besoin d'y aller. En fait. Donc, pour ça, il faut que l'agent ait à disposition des professionnels qui soient là constamment pour pouvoir l'entendre, le recevoir. Ou mettre des plages, parce que je comprends bien que la médecine du travail et la psychologue du travail, elle a aussi, comme elle l'a dit Karine, elles ont aussi d'autres missions qui pèsent aussi lourd, je pense, sur leur tâche. Et mettre des plages où on se dit, ben voilà, tel jour dans la semaine, c'est ouvert que pour les agents qui ont besoin, ou enfin voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on ait l'avis du docteur Ferraro, s'il vous plaît, sur ce sujet-là, parce que je ne sais pas si vous aviez fait, Christelle, vous aviez fait un tour de table. Alors oui, il s'était présenté à nous, Alain, et il nous avait expliqué un petit peu donc, son parcours, et notamment, on en était resté à le sport et santé, et il avait beaucoup de choses à nous raconter à ce propos. Alors, justement, moi, je vais lui repasser la parole, c'est Alain, si Christelle, elle vous appelle Alain, je vous appelle Alain aussi. Hein. Alain. Il faut sortir de l'ornière. Alors, moi, je suis pour plein de choses. Je suis pour des clubs de danse dans les hôpitaux, des clubs de rock, des clubs de sport, des clubs de vélo. De toute façon, on pourra bientôt plus venir en voiture à l'hôpital, tellement c'est trop cher. Donc, il faut qu'on développe, il faut qu'on achète des tandems et qu'il y ait des binômes cadres, infirmières qui viennent en tandem. Bon, je dis des bêtises, vous m'avez compris. Mais pourquoi pas, et pourquoi pas, Alain, c'est quoi votre avis sur tout ça? Il faut aller plus loin dans le bien-être des soignants, il faut apporter des idées nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut amener comme idées nouvelles? Pourquoi il n'y a pas des salles de sport dans tous les hôpitaux pour les soignants? Je ne comprends pas, moi. Oui, c'est une bonne question. Ben, en fait, on aimerait, nous aussi, hein, moi j'avais ça dans ma besace, hein, d'essayer de mobiliser. Ben, en plus, le fait de faire réaliser de l'activité physique à des personnes soignantes, serait un excellent facteur de motivation pour leur faire conseiller en expérimentant les bénéfices sur eux-mêmes, pour leur faire conseiller à d'autres personnes. Donc oui, bien sûr, et puis on est convaincu aussi, alors en particulier pour quand on monte des programmes pour les personnes atteintes de maladies chroniques, y compris quand c'est financé d'ailleurs, hein, le constat est que comme ça a lieu aux heures ouvrables, et en général en ville ou sur des stades ou dans des salles municipales, le constat est qu'il n'y a que les gens en arrêt de travail ou les retraités qui viennent, hein, ou les chômeurs, mais on n'a pas les professionnels en exercice. Et la seule façon de faire venir réellement, alors outre le temps hein, dont on dispose ou pas, le constat c'est que si on veut faire venir des personnes en période d'activité professionnelle à de l'activité physique, l'idéal est sans doute de la leur proposer sur le lieu de travail, peut-être entre midi et deux. Alors bon, je passe aussi sur l'histoire des sanitaires, des douches, etc., qu'il faut mettre à disposition. Mais donc, la leur financer, peut-être avec une participation modique. Parce que Alain, on va pas se mentir, on manque cruellement d'idées à l'hôpital. Enfin, je pense qu'on pourrait dire la même chose pour l'enseignement, mais bon, alors nous, on se concentre un peu sur le monde de la santé. Vous savez sûrement mieux que moi que dans n'importe quelle entreprise qui veut créer de la cohésion dans les équipes, de l'entraide, tout le monde se bat en séminaire. Hein. Ils se font des séminaires à la campagne, en Normandie, en Laponie, on va tous en séminaire, enfin, peu importe la destination d'ailleurs. Mais en gros, on part tous en séminaire, on crée du lien. Mais évidemment qu'il faudrait créer des séminaires, directeurs, cadres,
soignant. Donc ça, c'est une idée quand même. Je ne vois pas pourquoi ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le sport, mais ça devrait s'imposer aux soignants. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcer les soignants à faire du sport. Mais en fait, je pense qu'il faut un peu les forcer. Je me demande si... Je ne suis pas sûr que ça doive être... Ça, je pense que ça ne devrait pas être optionnel. Chaque soignant devrait être capable, si on s'attaque au bien-être, parce qu'on sait très bien que le bien-être, ce n'est pas que l'absence de maladie, hein, ça on le sait, c'est être impliqué dans une activité sociale, sportive, associative. Ben moi, je crois qu'il devrait carrément y avoir un secteur dédié, un directeur de soins du loisir, un directeur du loisir dans les hôpitaux et qui s'assure que chaque soignant, mais qui s'assure que chaque soignant est bien impliqué. Et évidemment que dans chaque hôpital, il doit y avoir une salle. Enfin, il y a des salles de rééducation pour les cardiologues. Donc, bon, il y a des vélos d'appartement, il y a des tapis. C'est ça qui fait qu'on est bien, qu'on est heureux, je pense. Et puis après, on n'a pas tous la même échelle de volonté, de pratique du sport. Mais on part là, Alain, d'après moi, on part vraiment de zéro, non? Ben moi, je n'ai pas connaissance de grand-chose dans les hôpitaux. Bon, franchement, ce n'est pas mon cœur de métier, hein, comme l'intervention, que ce soit l'intervention dans les administrations publiques ou dans les entreprises, ça n'est pas mon cœur de métier. Même quand je travaillais en agence régionale de santé, on avait les pires peines du monde, hein, à monter quelque chose. Ici, à la Dragès, il n'y a pas de parking à vélo. Moi, je roule à vélo depuis 20 ans, il n'y a toujours pas de parking à vélo satisfaisant. Donc, c'est un peu l'histoire du cordonnier mal chaussé. En plus, on sait qu'il y a... Il y a un impact très important sur la diminution du taux d'absentéisme hein, quand on met en place des programmes d'activité physique en entreprise, outre le facteur de cohésion d'équipe et de motivation au travail. Donc oui, c'est tout bénéfice. Alors après, le problème aussi du monde soignant, c'est que souvent, certains se pensent dispensés d'appliquer sur eux-mêmes les conseils qu'ils donnent aux autres. Et d'ailleurs, on le sait très bien, avant, il fut un temps où le politiquement correct consistait à dire qu'un médecin... pour être convaincant en prescription d'activité physique, devait lui-même être convaincu de l'efficacité. Et maintenant, si on veut être un peu politiquement incorrect, on pourrait dire que le médecin, quelque part, il doit montrer sur lui-même qu'il met en œuvre les principes qu'il propose aux autres, parce que sinon, le patient, il a tendance à dire « Non, mais tu t'es vu, toi, tu me dis qu'il faut que je fasse ça, mais toi, tu fais rien. » Donc, voilà. C'était un peu ce qu'il y avait avec les médecins fumeurs auparavant. Parce que... mais moi, c'est pas... Je m'excuse, excusez-moi, pardon. C'est pas mon champ principal. Hein. Moi, mon champ principal, c'est surtout de travailler chez des personnes atteintes de maladies chroniques et principalement en milieu ouvert. Parce que même si on peut préconiser des choses dans le champ de l'entreprise, moi l'intérêt que j'ai c'est d'être médecin et j'estime dans bien des cas, il faut pas forcément médicaliser à outrance la pratique de l'activité physique et sportive. Et là où je pense avoir une utilité, par exemple, c'est pas pour dire qu'un gamin doit courir davantage dans la cour d'une école, ou bien qu'il faut venir à vélo au boulot pour quelqu'un qui est déjà, enfin qui ne présente pas de facteurs de risque ou de maladie particulière. Moi, j'utilise principalement ma compétence, et Dieu sait qu'il y en a besoin, et sans fanfaronner du tout, sur le fait de m'intéresser à des personnes qui sont avec des capacités physiques limitées, avec un faible niveau de motivation, avec un faible niveau de compétences psychosociales et avec un haut niveau de risque médical. Donc c'est là-dessus, sur ces personnes dites éloignées de la pratique et qu'on a des difficultés à faire venir, parce que c'est les plus compliqués à faire venir, que je prétends apporter ma modeste contribution. Hein. Je ne suis pas centré sur l'entreprise ni sur les administrations publiques. Si je peux intervenir, Arnaud ? Oui ? Oui ? Je crois qu'Arnaud, je crois qu'il y a reparti. Une connexion, mais oui, allez-y, Karine. D'accord. Oui, alors, d'accord. par rapport à la pratique sportive, moi, en Vendée, on est très sportif, donc les hospitaliers ou les soignants sont souvent assez sportifs. Mais ce que je vois, c'est que... Ils sont assez sportifs dans leur... au travail ou en dehors du travail, mais on est un temps de travail, c'est impossible à très très très, très sportif. Sur le temps de travail, alors j'ai quelques entreprises qui ont eu un label justement au niveau de la qualité de vie au travail, parce que elles laissaient la possibilité à leurs salariés d'aller faire du sport le midi, ils se sont organisés
C'est ça qui est important, parce qu'il y en a qui ont à peine le temps de manger actuellement dans certains services. Ouais, tout à fait. Alors, c'est une entreprise, il y a ça, mais c'est une entreprise qui est aussi très à cheval, mais parce qu'ils sont dans la relation clientèle et ils savent que le bien-être de leurs salariés, ça va transparaître dans la relation client. Donc forcément, ils sont hyper à cheval là-dessus. Ils ont compris, ils sont dans l'illustration de la QVT, c'est-à-dire on allie la santé et la performance de l'entreprise. Tous les modèles d'entreprise ne peuvent pas toujours appliquer ça. Et c'est ce que je disais en préambule, enfin au début de l'audition, c'est que qualité de vie au travail, il ne faut pas être dans la survie. Et le problème, c'est que si on est dans la survie, on va complètement être dérégulé au niveau de son équilibre de vie et on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire la récupération physique, comme on est épuisé dès qu'on peut, on dort. Donc il y a des gens qui étaient très sportifs dans leurs habitudes et qui se sont retrouvés complètement... qui n'ont pas pu continuer leur activité déjà à cause de l'épuisement et puis de blessures aussi parce que l'épuisement, il y a l'épuisement psychologique, donc l'énergie d'aller faire de l'activité et puis le fait de se retrouver blessé parce que l'épuisement il est aussi physique. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a pu observer, c'est que souvent la pratique sportive qui peut se faire aussi au niveau collectif, si on a un délitement des collectifs et s'il y a plus de violence relationnelle parce qu'il y a des équipes sportives dans les entreprises qui se forgent et dans le milieu hospitalier, souvent il y a des marathons qui se font en équipe ou des triathlons, etc. Et s'il y a une augmentation du niveau de violence relationnelle et délitement des collectifs, forcément les gens ne se retrouvent plus après pour le travail parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se mettre chez eux tranquille et ne plus entendre parler du boulot et de plus voir les collègues de travail. Donc, il y a aussi ça. Et puis, dernière chose, et puis après je m'arrête, c'est l'addiction au travail. Moi, j'ai remarqué, au sport. C'est-à-dire que il y a aussi l'addiction au travail. On peut avoir les deux. On peut cumuler. L'addiction au sport, c'est-à-dire que j'ai vu aussi des personnes qui se sont mis dans le sport de manière très 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 intense, mais du coup on n'avait plus le bénéfice et on pouvait aller vers encore plus la blessure parce que justement, alors c'était un mécanisme de compensation, de externaliser, de prendre un petit peu l'air, etc., de décharger. Et puis, on est rentré après dans quelque chose où moi, je pense à un ami en particulier, médecin, qui a quitté son travail, qui est parti, mais qui a une véritable addiction au sport. Et c'est vrai qu'il faut mettre de l'équilibre dans nos exercices et puis dans dans notre stratégie à faire face aussi à la pression. Et si on devait intégrer la pratique sportive dans l'équilibre de vie, y compris l'équilibre professionnel, pourquoi pas ? Moi, au contraire, je suis absolument pour, mais tout en gardant en tête qu'il faut équilibrer tous les autres aspects. Et si les entreprises, effectivement, étaient vraiment convaincues que performance, qualité de vie au travail, c'est lié et que sur la durée, on ne peut rien faire si les salariés ne sont pas en bonne santé. S'ils n'ont toujours pas compris ça, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour eux. Karine, parce que qu'est-ce qu'on peut dire là, aujourd'hui ? Bon, les soignants, ils vont très mal. Oui, tout à fait. Je repense à ce qu'a dit Alain. Quand Alain, il dit... Bon, moi, les gens qui ont des maladies chroniques, j'essaie d'introduire un petit peu si je traduis un peu ce qu'a dit Alain, mais vous pourrez aller un peu plus loin, Alain, dans votre activité, quand vous le souhaitez, bien sûr. Mais tu vois, moi, tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'assimiler les soignants à une population malade. Alors, je dirais malade et traumatisée. Tu vois là où je veux en venir. Je crois qu'il y a quoi ? Il y a 20 à 30% d'absentéisme. Je ne sais pas si c'est la moyenne nationale, mais c'est des chiffres que moi j'ai vu circuler, premièrement. Deuxièmement, ils sont traumatisés, ils sont dégoûtés. Enfin, on part de très loin. Ouais. Ceux qui sont encore là, si tu veux, un peu plus rayonnants que d'autres qui ne communiqueront pas comme ça, comme je le décris, mais globalement, moi, je crois qu'on pourrait assimiler la population des soignants à des gens qui ont été abîmés à la rigueur au moins pendant 2 ans, mais à la rigueur, mais c'était déjà avant. Hein. Ah oui, oui. C'était déjà avant, mais là, ça s'est un peu acutisé. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas leur laisser le choix, d'une part. Voilà. Dire, nous, institution hôpital, on veut s'occuper de vous. On ne l'a pas fait assez avant. On sait que vous devez être bien payé. On sait que les ratios de soignants-patients doivent changer. Mais on sait aussi que nous, on sait que pour votre bien-être, on va vous forcer à faire un peu de sport. Et à mon avis, on a de la marge avant de basculer dans l'addiction au sport. Sauf pour certains, mais là où je voulais en venir, si tu veux, c'est que ça pourrait être le sport thérapeutique.
Et ensuite, j'embraye sur un deuxième thème. Il ne faut surtout pas laisser le choix aux tutelles, en fait. Hein. Et là, il va falloir être méchant. Hein. Il va falloir être méchant. Hein. Il va falloir leur dire, on est mal payé, les organisations de travail sont maltraitantes, on a tous à peu près abandonné notre job, ou alors on a démissionné mentalement, et on est malheureux, ou on a l'intention de le faire. Maintenant, ça suffit, vous n'êtes pas capable de réformer le système de santé, vous allez au moins maintenant vous sortir les doigts du hein, machin, pour mettre en place du sport ou autre chose, ou de la musique, j'en sais rien, ou de la couture, j'exagère, peut-être pas quand même de la couture, mais quelque chose qui va nous permettre à nous, compte tenu des heures qu'on y passe, week-end, nuit, jour férié, Noël, Nouvel An, avec toujours un tarif vraiment des revenus insuffisants, au moins, on va arrêter de s'abîmer, et institution, hôpital ou clinique, hein, institution, établissement de santé, tu dois mettre à notre service le fait d'aller moins mal. Et tu vois, moi je pense qu'il faudrait vraiment... Oui, mais Cécile, je te lis, Cécile. Bah, si on dit qu'il y a déjà des choses qui existent, alors on ne fait rien, puis on dit que tout va bien. Mais ça n'est pas parce qu'il y a des... Non, mais ça n'est pas parce qu'il y a des choses qui existent dans certains endroits que tu vois, il y a une décision, il y a un mouvement institutionnel généralisé, homogène. Tu comprends, Cécile? C'est ça que je veux dire. Je pense, si je peux me permettre, je pense qu'il y a des choses simples, en fait, sans matériel, sans leur proposer de monter une équipe de foot, c'est peut-être con, mais ça, d'aller faire du pad, d'aller faire du tennis, d'organiser des crosses, tout ça, ils n'ont pas besoin forcément de moyens financiers, mais c'est sûr que si on leur imposait un peu plus de choses à mettre mais en il place... Faut, oui, non, mais il faut que ce soit si tu veux, oui, il faut que ce soit une volonté institutionnelle, parce que si tu laisses le choix aux gens, ils ne le feront pas, quoi. Enfin, c'est comme les malades. Hein. Justement, on peut demander à Alain, qu'est-ce que vous proposez pour les gens qui ont des maladies chroniques au niveau des sports, comment vous intégrez ça par rapport aux patients qui ont des pathologies chroniques? Ah, le son est coupé. Le son? On vous entend pas, Alain. On entend pas. Pardon, oui, j'ai oublié. Non, je disais, oula, vaste sujet, c'est toute ma vie professionnelle que vous me demandez de décrire. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, donc on considère, on s'occupe aussi beaucoup de santé mentale et même d'intervention authentiquement en psychiatrie, hein, grâce à l'activité physique et sportive. Et pour mémoire, dans le dernier rapport de l'INSERM, l'Institut National Santé et Recherche Médicale de 2019, l'épisode dépressif léger à modéré, alors je ne veux pas psychiatriser les soignants ni faire des diagnostics comme ça, hein, mais pour donner un exemple, hein, l'épisode dépressif léger à modéré est une des quatre affections pour laquelle l'INSERM dit clairement que l'activité physique en est le premier traitement. Hein, donc ça c'est clair, hein, c'est avant les médicaments même, donc il est évident qu'il existe une efficacité scientifiquement documentée sur l'efficacité de l'activité physique sur le mal-être ou authentiquement les épisodes dépressifs, donc à condition qu'ils ne soient pas trop sévères, auquel cas l'intervention médicamenteuse de premier recours se justifie. Sur les maladies, donc, nous on a des structures qui s'occupent d'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques et qui souvent, donc par exemple... Même pour des cancers, je crois, c'est ça? Même pour des patients qui ont des cancers ou c'est ça? Je crois que c'est... Oui, ça, alors là, oui. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre vous voulez que je dise les choses, mais parce que je voulais finir sur l'aspect intra-entreprise. Donc, sur l'aspect intra-entreprise, il y a des gros clubs sportifs, il y a des maisons sport-santé, hein, dont on peut parler après, qui sont des lieux où on accueille, on informe, on évalue les capacités physiques des personnes, on les accompagne et on les oriente vers une offre sportive du territoire, et notamment les personnes qui ne savent pas faire ça toutes seules. Et ça, ce sont les maisons sport-santé, alors qui parfois, elles-mêmes, développent une offre sportive, d'autant qu'elles arrivent à se rémunérer sur cette offre sportive, et certaines d'entre elles développent une intervention en entreprise. Pour elles, c'est un je dirais pas un filon, hein, mais un moyen de trouver des financements qui est quand même important, parce que pour le reste, tout ce qui est financement socialisé ou les personnes elles-mêmes, c'est plus compliqué. Donc, si je veux aborder le sujet plus généralement, hein, je
peux pas recommencer à refaire toute l'histoire, en fait. Je comptais peut-être citer ces différents éléments à travers la notion de difficulté qu'on rencontre. Et globalement, moi, ce que je peux dire, c'est que l'importance de ce sujet de l'activité physique pour la santé, hein. Alors globalement pour la santé, ça veut dire la prévention qu'on appelle primaire, c'est-à-dire chez des personnes non malades pour prévenir tout risque, la prévention orientée chez des personnes qui présentent des pré-maladies ou certains signes ou certains facteurs de risque particuliers, et la prévention dite tertiaire qui est aussi un traitement chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc chez les personnes atteintes de maladies chroniques, il y a dans de nombreuses maladies un très haut niveau de preuve d'efficacité de l'activité physique, que ce soit sur la physiopathologie, les symptômes, les limitations fonctionnelles des personnes, en termes de morbidité, de comorbidité associée, en termes de mortalité aussi, en termes de bien-être psychologique, donc un très vaste panel d'efficacité, avec parfois une efficacité comparable, voire supérieure au traitement médical ou chirurgical de référence. Donc c'est quand même considérable. Alors, évidemment, on est dans des thérapies dites non médicamenteuses. Pourquoi non médicamenteuses ? Pour comparer un traitement de référence dont on reconnaît universellement l'efficacité, et aussi pour suivre la même démarche intellectuelle quand on prescrit. Donc on a thérapeutiques dites non médicamenteuses, et thérapeutiques, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le véritable traitement et qu'on a donc l'effet que j'ai décrit précédemment. Cet effet n'est pas suffisamment pris en compte, hein, c'est indiscutable, c'est comme pour la prévention en général. Pardon. On a actuellement eu beaucoup de retard à l'allumage, et on continue à progresser par petits pas. Alors, il y a des choses intéressantes néanmoins. Par exemple, maintenant, nos maisons sport santé, depuis 3 ans, il y en a 32 pour vous dire dans ma région, il n'y en a pas suffisamment, parce que, comme pour l'offre de prévention en général, et c'est bien un des écueils majeurs qui contribue à la faible diffusion, on est tributaire de volontaires. Contrairement à l'offre de soins, alors on peut toujours discuter des déserts médicaux, etc., mais l'offre de soins, on essaie de l'implanter sur tout un territoire, et quand il n'y en a pas, tout le monde s'en émeut. Pour ce qui est de l'offre de prévention, mais aussi d'offre d'activité physique pour la santé, qui peut être préventive, mais qui peut être aussi thérapeutique, on est tributaire de l'endroit où on trouve des personnes pour bien vouloir faire, qui lèvent le doigt, qui disent « ok, moi je veux bien faire ça », et qui sont souvent des associations. Alors au départ, ils n'ont pas forcément un grand professionnalisme, ils n'ont pas forcément un grand bagage de compétences, et tout ça fait qu'on est obligé de progresser lentement et de les faire monter en compétences, monter en puissance, pour pouvoir s'occuper de personnes de plus en plus compliquées. Il est indiscutable que donc ce qu'on appelle le sport santé, ça a débuté grosso modo au début des années 2000, hein, 2003, le plan Bien Vieillir, et puis petit à petit, on en est venu aux personnes atteintes de maladies chroniques. Mais au départ, on avait des acteurs du monde sportif qui n'étaient pas du tout prêts à prendre en charge ce type de personnes, et quand ils voyaient arriver, par exemple, une personne atteinte de coronarobatie, il se mettait dedans et il disait « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de lui ?» ou « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle ?» Parce que c'était des personnes qui leur foutaient la trouille, pour être clair. Il n'y avait pas, avant 2016, et la loi de santé de 2016 qui a introduit la notion de prescription d'activité physique pour les personnes malades, hein, pour mémoire, cet article, hein, qui est devenu un article du Code de la santé publique, L1172-1, qui dit, dans le cadre du parcours de soins, le médecin traitant peut prescrire, etc. C'est 2016. Ensuite, les principaux référentiels de pratique professionnelle, c'est 2018-2019. Donc, c'est tout à fait récent. Avant tout ça, nous étions ce qu'on peut qualifier de hors-piste. Et moi, souvent, je recevais des appels en me disant « Alain, est-ce que tu crois qu'on peut faire ça » C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller ? Quelle est la nouvelle frontière ? Et on a essayé de franchir cette nouvelle frontière de la façon la plus intelligente possible. Bref, maintenant, nous avons 32 maisons sport santé qui viennent d'être reconnues, c'est tout à fait récent, hein. Pardon. Loi du 2 mars 2022, publiée le 4 mars, les maisons sport santé sont entrées dans le code de la santé publique.
Donc c'est structuré. C'est une belle avancée, c'est une proposition, par exemple, effectivement, c'est une belle avancée par rapport à sport et santé. Oui. Voilà, j'essaye de... Parce que malheureusement, cette session se termine déjà, il y a encore plein de choses à dire. D'accord, ouais, bon. Ouais. Il est déjà 20h, vous avez commencé à l'heure. Et voilà, mais... Christelle, il faut essayer de revenir sur des propositions robustes. Exactement. Donc c'est volonté des gouvernances, enfin, volonté des tutelles et des directions de rendre ça obligatoire, systématique. Le sport, l'organisation du sport, donner des moyens pour que ce soit fait, et puis un recensement. Et en vous écoutant, j'imaginais, on pourrait très bien imaginer que les ARS, comme les ARS, enfin, je ne sais pas, comme elle devrait le faire sûrement pour les patients d'Alain, les ARS devraient organiser des programmes sport et santé pour les soignants et puis après rendre des comptes au ministère. C'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Donc les ARS, elles devraient organiser des tournois de pétanque et des tournois de water polo, voilà. Et puis, en plus, ça leur peut faire autre chose que des tableaux Excel. D'une part, dans les établissements, il devrait y avoir des moyens pour que les soignants puissent faire ça. En ce qui concerne la QVT, eh bien, on l'a dit, les propositions, c'est renforcer en psychologue, renforcer en médecin du travail, et puis une gouvernance, encore une fois, obsédée par le fait que les patients aillent mieux et que ce soit vraiment perçu comme des signaux d'alerte qu'on doit plus tolérer aujourd'hui. Et tout ça, moi, je pense qu'il faut vraiment en parler avec beaucoup d'autorité, parce que c'est pas le tout de dire que la santé est abandonnée parce qu'il y a on manque de moyens, on manque de tout, etc. Ils sont en train d'abîmer des gens. Et donc, moi, je pense qu'il faut taper très fort sur le mal qu'ils font aux professionnels qui démissionnent, qui font des burn-out. Là, il ne faut vraiment pas être gentil, il faut y aller très fort parce qu'on part très, très loin. Bon, voilà. Moi, voilà ce que j'en garderai en proposition. Je ne sais pas si vous voulez chacun dire un petit mot de conclusion. Fanny et Karine avaient peut-être un petit mot à dire, du coup, là, je ne sais pas. Ouais, je rejoins Arnaud sur le fait qu'il faut qu'on puisse augmenter les professionnels, les médecins du travail, les psychologues, et puis on découlera aussi d'autres choses, mais ils ne sont forcément pas assez nombreux et on leur donne peut-être pas aussi les moyens de pouvoir et suivre aussi les gens, les personnes qui vont les voir, notamment sur des burn-out, pas une consultation, deux consultations, parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas les moyens de suivre les personnels correctement. Quoi. Karine ? Oui, je dirais que de toute façon, il y a eu des propositions de stratégie nationale pour optimiser l'accompagnement des soignants en difficulté, notamment la stratégie nationale prendre soin de ceux qui soignent. Il y a un DU quand même, comment accompagner les soignants en souffrance. Donc le constat, il est là. Après, je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas le poids juridique et financier derrière, c'est compliqué. Donc moi, je dirais aussi relancer le débat sur la reconnaissance de l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Ça a été avorté, ça n'a pas été reconnu, le burn-out n'a pas été reconnu en maladie professionnelle. Je pense qu'il faut relancer le débat sur la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique professionnel, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui vont répondre à ces critères-là. Et là, si on commence à entrer dans le financier et dans la pression financière, ça bougera. Ah oui, voilà. C'est une bonne idée, ça. Alain, un petit mot pour finir. Ça vous choque que je considère les soignants comme des gens malades ? Pas du tout. Et d'autant qu'il y a parmi eux, probablement, comme dans le reste de la population générale, une forte proportion de personnes atteintes de maladies chroniques. Hein. Donc, évidemment, ça aurait un intérêt, outre le côté santé mentale, ça aurait un intérêt de monter, comme je l'ai dit, comme pour les entreprises, une activité physique au travail. Avec en plus, comme je l'ai déjà dit, le bénéfice de leur faire expérimenter les bénéfices et du coup qu'ils puissent transmettre soit par des conseils, soit par de la prescription. Si je dois conclure, j'élargis un petit peu parce que moi, mon souci, c'est l'ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques dans toute la population. On a de nombreux on commence à avoir une certaine structuration, c'est intéressant. On a encore des manques. Il faut indiscutablement renforcer et arrêter d'aborder
de façon très fragmentaire les choses, avec le parcours post-cancer qui a été cité tout à l'heure, hein, qui n'est jamais que 180 euros pour une personne, avec quelques consultations ou bilans d'activité physique, de diététique et de psychologie. Mais pour ça, il a quand même fallu un texte de loi, un décret, un arrêté, un cahier des charges réalisé par l'Agence régionale de santé qui lance un appel à projet, qui signe des conventions avec les structures. On est dans des trucs de fou. Il faut supprimer. De toute façon, pour 180 euros, on va aussi supprimer toute strate administrative. On va tout supprimer. Il faut supprimer tous les dossiers. À chaque fois qu'un administratif demande de faire un dossier, il faut le virer. Voilà. À la fin, ils arrêteront de demander des dossiers. Arnaud, juste une précision. Parfois, nos propres représentants des médecins, parce que quand on voit dans les bonnes pratiques professionnelles, il y a une complexité aussi considérable. Personne ne sait plus faire simple. Or, hein, c'est la formule de Paul Valéry, hein, tout ce qui est simple est faux, le reste est inutilisable. Et moi, je suis très confronté à ça, avec des soignants qui, quand ils doivent prescrire, doivent lire des centaines de pages de référentiels avec des nouvelles notions, avec du recommandé, du préconisé, du peut-être réalisé, le patient peut en bénéficier. On parle de choses, alors que le médecin ou la personne, il doit faire une épreuve d'effort, par exemple, avant ou pas, mais de savoir s'il peut en bénéficier, si c'est préconisé, si on peut le réaliser ou ceci ou cela, il faut arrêter. Ouais. Il faut dire qu'on fait ou qu'on ne fait pas, de façon simple. Il faut remettre un peu de binaire, je pense. C'est-à-dire, on fait ou on ne fait pas, quoi. Mais les nuances, c'est plus pour les romans un peu... Les nuances de gris. On les comprend scientifiquement. Moi, j'avais mis ma veste de sport, Alain. Alain, j'avais mis ma veste de sport. Nickel. Voilà. Et surtout des séminaires. J'ai tout de suite remarqué, j'ai les mêmes à la maison. À la maison professionnellement, je veux dire. Ils sont tous en survêtement. Arnaud va faire un jogging juste après. J'ai été nager 1,5 km déjà. En sortant du boulot. Ok, je montre l'exemple, comme il a dit Alain. Il faut être capable d'être crédible. Il faut être crédible. Bon, j'avais peut-être bu un peu trop d'alcool hier, hein, parce que, mais bon, c'est autre chose. Et des séminaires au ski, des séminaires à la mer, à la montagne. Tu mets tout le monde dans une randonnée de 15 bornes, et avec un directeur qui met un short et des chaussettes qui vont jusqu'aux genoux, la cadre de santé qui met ses chaussures de rando, et puis bah, maintenant, les gens, vous allez vous parler, et puis arrêter de vous maltraiter dans ce monde qui devrait être paisible de l'hôpital, parce qu'on est déjà là pour soigner des gens, complètement impossible d'accepter que le système casse et qu'il abîme. Voilà. Moi, il vaut mieux pas que j'ai des responsabilités un jour, parce qu'avec moi, ça ira très vite. Hein. Bon, voilà. Bon, allez, merci, c'était passionnant. Fanny, merci. C'est passé Karine, très vite. C'est passé Karine, super Alain, vite. C'était ouais, très ouais, chouette. Ouais, merci beaucoup. Christelle, merci Audrey, à la technique. C'est comme Pujadas. À la technique, il y avait un tel, à la lumière, il y avait un tel. Voilà, on remercie. Grosse journée, 5e semaine du vrai Ségur de la santé. C'est tous les jours comme ça, Alain. Alain, on en chie. Hein. Je ne veux pas vous mentir, on a un petit bleu comme ça. C'est du sport. Ça me donne une idée. On aurait pu faire un zoom en vélo, tu sais, en vélo d'appartement. Non. Ça aurait pu être marrant. Non. Je vois bien Karine en vélo d'appartement. Ah oui, bon, allez, je vous embrasse. Un zoom, une audition en jacuzzi, ça aurait été marrant ça. Bon, allez, salut. À bientôt. Mais si, sur le thème du bien-être, on aurait pu faire un truc mieux que ça. Hein. On aurait pu faire audition dans un hammam. Bien-être. Tu vois ? Bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Allez, à bientôt. On va demander à Audrey une nouvelle session. Hammam.